losambo nangai kolo ya nola e kolela nangai ya we oyoka e naza kosenga ngai loboko na yo zala nangai balimite nangai ekwea e makambo ebongwa na ye ebongwa na ye naloka ye yawe nasalaki moto ya masumu na mokili nasalelaki satana zizikobate Yeah.
Yeah.
célèbre l'Éternel, on ne rend pas compte des gens. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit que dans l'église de Dieu, il n'y a pas de civilisés. Si tu es des civilisés, il faut aller au bureau. Ici, nous tous, nous sommes des fous de Jésus. Amen. Il s'agit de casser jusqu'à dormir par terre, on le ferait. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la femme de David a regardé David, elle dit à David, mais comment un roi, un homme plein d'unité, du dos comme ça devant les gens. Alléluia. David dit, si tu savais. Alléluia. Que Dieu te bénisse parce que tu as dansé pour ton Dieu. Amen. Non, je dis que Dieu te bénisse parce que tu as dansé pour ton Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, tu as dansé pour ton Dieu. Amen. Lève-nous, incline ta tête. Tu te lèves là où tu es. Le temps est venu. Lève-nous. Réalise maintenant. Réalise. Je veux que tu puisses souffler. Ressouffle-toi. Avec ces cantiques de notre Seigneur merveille. Et après cela, nous allons écouter la parole de Dieu. Réalise combien il est puissant, c'est Dieu. Réalise combien il est fort, c'est Dieu. Réalise combien il est capable, c'est Dieu. Amen. Il est puissant, il est là, il veut te parler. Amen. Réalise. Réalise sa bonté. Sa magnificence. Oh, il est puissant. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles. La Bible dit, dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé le pain. Il n'a pas envoyé l'argent. Dans leur détresse, il envoie la parole. La parole. Et c'est la parole qui crée toutes ces choses. La parole fait créer l'argent dans ta vie. La parole fait créer la paix dans ta vie. Et je sais que la parole, tu vas écouter cet après-midi. Ça va grandir ton cœur. Ça va grandir ton cœur. Jésus-Christ est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est là. Jésus. Sentez sa présence. Et moi, on pense. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, alléluia,
parole. Le Dieu de la Bible envoie ta parole. Je baba sakara baba bashiki. Baba 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 baba. Sondara mana sekaya mama mama. Sondoro sakaya mama mama. Soningito yokayo Yesu. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Il n'y a pas de soutenir à vous présenter cet homme. Il est notre président. Il mérite l'honneur. Est-ce qu'on peut honorer notre président? J'ai toujours dit que ne touchez pas nos présidents. Sinon, tu vas me raconter le toucher. Alléluia. 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 J'ai oublié qui connaît. J'ai oublié qui connaît. J'ai oublié qui t'était là. Tu veux qui t'était là? Alléluia. 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 Mikudi la Nzambi. Est-ce que tu veux que je t'invite cet homme? Est-ce que tu veux que je te présente cet homme? Est-ce que tu veux que je te présente cet homme? Il est le reverend. C'est un homme qui parle bien de la part de Dieu.
Amen. 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 Je réponds au nom de DG Patrick. Combo la mobate la pâté. Je dirige cette église MCM par la grâce de Dieu. Je suis marié. Et j'ai deux fillettes. Et à la fin de ce culte, je demande à une personne de prier pour moi afin que je puisse avoir un garçon. Amen. Lorsque une personne est seule, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Mmh. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je remercie Dieu pour ces réunions de prières. Si tu es dans ce lieu parce que tu es appelé. Il y a d'autres personnes qui étaient avec eux hier. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous ensemble. Alléluia. Amen. Donc, si tu es là parce que Dieu t'a choisi, la Bible déclare : ni ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. Donc, c'est comme c'est Dieu qui nous a attirés. Comme c'est Dieu qui nous a appelés, nous devons être attentifs à sa parole. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque vous avez du mal à mettre la parole de Dieu en pratique, vous allez passer à côté de la bénédiction. Vous pouvez prier un Dieu de la lumière. Vous allez constater qu'il y a toujours des ténèbres. Vous pouvez faire 10 ans dans une église. Vous allez remarquer que rien ne marche dans votre église. Regardez un peu dans ton église. Il y a d'autres personnes qui ont fait 5 ans dans cette église. Mais ils n'arrivent pas à progresser. Pendant que la Bible déclare, je souhaite que l'on prospère à tous égards. Ils sont toujours en bonne santé. Mais pourquoi je prie Dieu, je suis toujours fauché. Alléluia. Amen. Nous devons considérer Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Lorsque je priais le matin, avant de quitter la maison, Dieu m'a donné un verset biblique. Et je vous donne cela. Dans le livre de Ézéchiel. Un homme de Dieu va prier. Ils vont lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 12, verset 28. L'homme de Dieu, Ézéchiel. Nous lisons Ézéchiel 12, hein, verset 12 à 28. 28. Nous lisons au nom de Jésus. Ézéchiel 12, verset 28. C'est pourquoi dit-il. C'est pourquoi dit-il. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel. L'Éternel, oui. Il n'y aura plus de délai dans la parole que je prononcerai. S'accomplira. Amen. Amen. Dans ma version, la Bible déclare il n'y aura plus les délais. À l'accomplissement de ma parole. Laissez-moi vous dire, il n'y a plus de délai. Je te parle aujourd'hui, il n'y a plus de délai. Mais personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Il peut apparaître après cette prédication. Est-ce que nous allons rentrer ou pas? Alléluia. Amen. Parfois tu as fait 10 ans dans une église. Au j'écoute la parole de Dieu. Mais vous avez du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible déclare il n'y aura plus les délais pour la
l'accomplissement de sa parole. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, considère la parole de Dieu. Si vous voulez que la parole de Dieu puisse devenir une vie dans votre vie, considère la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en vie. Mets cette parole de Dieu en pratique. Que cette parole de Dieu puisse devenir une vie dans votre vie. Lorsqu'on te voit, on voit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare toutes les fougères de plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Amen. Si vous obéissez à la parole, le sol du Maroc va obéir. Amen. La Bible déclare, si vous obéissez, vous mangez les meilleurs fruits du pays. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas les Marocains, mais ils mangent le meilleur fruit du pays. Amen. Bah, Sénégalais. Bah, Zolia, bah, Mboumamoko, qui toque au Maroc. Amen. Alléluia. Amen. Si vous obéissez à la parole so de Dieu, vous allez manger le meilleur fruit du pays. Zolia, Mboumamalamou, Yamboka au Maroc. Même à l'étranger. Attends, Mboka, papaya. La Bible déclare Isaac a semé la même année. Mokomel, mette Isaac, avec une colonne, avec un Mbouana. Et la même année, il avait récolté. Wanete, Kaka Mbouana, si Isaac avait récolté. Faut qu'Isaac a l'oubouka, pourquoi pas moi? Pour la linga la bouka. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. 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 Bien-aimés dans les cieux, nous voulons partager un thème. Accomplissement des projets de Dieu pour la nation. Amen. Boko kisi ya miango na nzambe pona ngumba. Pour que Dieu agisse dans un pays. Pour que Dieu agisse dans une nation, il a besoin d'une personne. Il a besoin d'une personne. Parce que Dieu collabore toujours avec une personne. Pour accomplir quelque chose. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre d'Esaïe, chapitre 6. J'enverrai et qui marchera pour nous. Donc Dieu cherche une personne qui est disposée. C'est lui qui ne mélange pas la parole de Dieu et la coutume. C'est lui qui ne mélange pas la parole de Dieu et le sexe. C'est lui qui ne mélange la parole de Dieu et les mensonges. Dieu cherche une personne qui est disposée. Pour que ta situation change. Pour que un pays change. Si avec 12 personnes, Dieu a changé le monde, qu'est-ce qui manque qui puisse changer dans ta vie? Qu'est-ce qui manque si Dieu a pu changer ton pays? Qu'est-ce qui manque que Dieu puisse changer votre situation? Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. On se met debout. On va tenir, on va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Versets 12 à 17. Et nous allons prendre deuxième lecture dans le livre de 1 Roi chapitre 16. 1 Samuel 17 versets 12 à 17. Et deuxième lecture, c'est dans le livre de 1 Roi chapitre 16. Versets 29 à 32. 1 Samuel chapitre 17, de 12 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Or, David était un fils de cet Éphratien, des vétérans de Gidan, nommé Isaïe, avec une huile, avec un fils, et qui, dans les temps de Saoul, était fait avancer en âge. Le troisième fils aîné d'Isaïe avait suivi Saoul à la guerre. Le premier né de ses trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et se présentaient pendant
40 jours, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha, des grains rôtis et c'est du pain, et cours au camp vers tes frères. Portez aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Oui. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébites, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, puis sa charge est partie comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'ils arrivèrent au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors de ses rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avancez-vous, j'avance. Cet homme, c'est pour jeter à Israël un défi qui s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses. Il donnera sa fille. Il franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre de sur Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour inciter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peuple, ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas? Amen. Prends maintenant un roi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ le livre de 1 Roi, chapitre 16, verset 29 à 32. Oui. Acab, fils d'Omri, revient sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Acab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Acab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ci était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Amen. Père de gloire, notre Dieu, papa, tu es Dieu. Seigneur, parle à ton peuple. Cher Saint-Esprit, parle à son peuple. Ces peuples sont venus pour écouter ta parole. La Bible déclare, les miens seront enseignés par moi-même. La Bible déclare, ni ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Papa, transforme une personne. Révolutionne une personne. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Mettons-nous bien aimés dans le Seigneur. Ici, là, notre pasteur vient de lire. Il y avait un défi en Israël. Israël était dans l'opprobre. Israël était méprisé. Israël était dans la solitude. Parce qu'il y avait un homme au nom de Goliath. La Bible déclare pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il insulte le peuple d'Israël. Pendant 40 jours, il insistait le Dieu d'Israël. Et il n'y avait personne au camp d'Israélites pour se lever pour faire face
à Goliath. La Bible déclare pendant 40 jours. La nation était dans la solitude. Et Dieu cherchait une personne qui va faire face à cette personne. Lorsque la Bible déclare le chiffre 4, c'est un chiffre de la souffrance. La Bible déclare Jésus qui s'est fait 40 jours et 40 nuits de prière. Lazare a fait 4 jours au sein de la terre. Le peuple d'Israël fait 430 ans en Égypte. Le peuple d'Israël était dans la solitude pendant 40 jours. Il y avait une personne qui pouvait se lever. Parfois aujourd'hui aussi ton pays aussi est dans la souffrance. Parfois ta famille aussi est dans la souffrance. Parfois ta vie aussi est dans la souffrance. Le diable est en train de se lever. Et puis je veux voir quand est-ce que tu vas te marier. Je veux voir quand est-ce que tu vas quitter le pays. Je veux voir quand est-ce que tu vas quitter ce pays. Mais Dieu est toujours dans la solitude. Mais Dieu cherche une personne. La Bible déclare dans la forêt, il y avait un petit David. Alléluia. Amen. Pays était dans la souffrance. Il n'y avait aucune personne. David n'était pas considéré. Mais le pays était dans la solitude. Parfois toi aussi tu cherches la solution. D'où viendra la solution? Mais tu n'arrives pas à comprendre d'où viendra la solution. Pendant que la Bible déclare les secours viennent ni d'Orient ni d'Occident. Parfois tu as besoin que le ministère puisse aller de l'avant. Mais tu vois, tu es toujours bloqué. Tu es toujours dans la solitude. Tu as multiplié les stratégies. Mais ça n'a pas marché. C'était la même chose avec le peuple d'Israël. Amen. Amen. David ne savait pas d'où vient les problèmes du pays. David mais il s'est conditionné ses pensées. Parce qu'il croyait au Dieu de l'Éternel. Il croyait le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et la parole de Dieu était sur lui une vie. C'est que Dieu fait. Dieu sait que Dieu avait fait dans sa vie dans la forêt. Il savait que c'était un Dieu de libérateur. Et la Bible déclare le pays était dans les propres. Il n'y avait aucune personne. Parfois, ce sont des choses qui se passent aussi dans ton pays. Tu n'arrives pas à supporter la souffrance du pays. Tu n'arrives pas à supporter la souffrance que tu es en train de traverser. Tu n'arrives pas à supporter la souffrance de ce pays du Maroc. Tu te poses des questions, mais d'où viendra le secours? Le peuple d'Israël s'est posé la question. Qui va nous enlever dans ce défi? Le roi Saoul était là. Mais même lui-même était père. Même lui-même s'est retiré. Parce qu'il savait bien que Goliath, depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. Mais la Bible déclare comme notre Dieu ne dort pas. Mais il ne s'ennuie jamais. Et la Bible déclare un bon matin. Dieu a présenté cette opportunité à David. Pour que les choses changent dans ta vie, tu ne peux pas descendre si c'est terre. Dieu va présenter des opportunités. C'est pour ça la Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. La richesse que Dieu a donnée à l'homme, ce sont des opportunités. Ce sont des temps. Comment tu cherches le temps que Dieu t'a donné? Amen. Amen. Le pasteur et le président de la République, nous tous nous avons 24 heures. Chômeur et fonctionnaire, nous tous nous avons 24 heures. Le roi de ce pays et moi, nous avons toujours 24 heures.
ensemble. Vous pouvez économiser de l'argent. Mais le temps, tu ne peux pas l'économiser. Amen. Je peux économiser, j'ai deux enfants. Je peux dire à ma femme, on va arrêter d'abord ici. On va attendre encore 4 ans avant de faire encore un enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, le temps tu ne peux pas l'économiser. C'est pour cela que la Bible doit racheter les temps quand les jours sont mauvais. Lorsque David est parti au lieu de la bataille, la Bible déclare, lorsqu'il voyait Goliath insulter le peuple d'Israël, et la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, le commentaire biblique, on dit que c'est une opportunité pour David. Ce que d'autres personnes voyaient, c'est un blocage. Ce que d'autres personnes voyaient, c'est la malédiction. Mais pour David, c'était la bénédiction. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, il y a d'autres choses. D'autres personnes disent que ça, c'est le blocage. Mais il y a d'autres personnes qui vont conditionner leurs pensées. Il a dit non, ça c'est la pensée, la malédiction. Ça c'est fait élever le nom de l'Éternel. Cette situation va glorifier le nom de l'Éternel. Et la Bible dit, lorsque David s'est rendu dans le lieu de bataille, il a dit à ses frères, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que je vois cet homme en train de insulter le Dieu d'Israël. Cet homme en train d'insulter le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il ne peut pas le faire. C'est lui qui va tuer cet homme. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Alléluia. Amen. C'est une opportunité pour lui. Ne faut jamais rater les opportunités. Amen. Parfois tu te trouves aujourd'hui dans cette situation. Parce que Dieu a présenté une opportunité devant toi. Ah, pour tes âmes, à tiens les bakou moko liboso na yo. Et toi, tu as laissé cette opportunité. Kasi yo otiki libaku wana. Et aujourd'hui, tu as commencé à pleurer. Lelo okomi ko lela lela. Je dis souvent à l'église. Il y a d'autres personnes, on ne peut pas rester avec eux ici dans ce pays. Il y a mon ami qui est ezana bato musu moni kamito yuko tika raba moti na Maroc. Bien au pays. Wana tete masala ki mbonga. Ils ont reçu l'argent, ils devaient aller plus. Baswa kimbongo pour te akini malamo. Ils ont reçu des hommes qui devaient les marier. Mais comme ils ont laissé cette opportunité, aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Je te pose la question, à qui la faute? Amen. Amen. Parce que la Bible est bien rachetée le temps quand les jours sont mauvais. Et David a racheté le temps. Il a dit non, cette opportunité je ne peux pas les laisser. Cette opportunité va glorifier le nom de l'Éternel. Et la Bible déclare que Goliath insultait le peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas le même arme que David, que Goliath utilisait. David a dit, tu viens devant moi avec les insultes. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Amen. Si vous voulez combattre le diable, n'utilisez pas la même arme que lui. Amen. Conseil la tête. Si il utilise le mensonge, toi, en tant que l'enfant de Dieu, utilise la vérité. Amen. Lorsque tu veux utiliser la vérité, la vérité finira par triompher. Amen. Amen. La Bible déclare que David a remporté la victoire. Il avait que 5 pierres en lui. 5 pierres qui signifient Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, quel que soit le désert, quelle que soit la souffrance, mais l'Éternel le délivre. Amen. Mettez la zambo dans votre passe pour l'Éternel.
malamu. Asa malamu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez Jésus-Christ en vous, si vous avez Jésus-Christ en vous, j'ai dit souvent à mes enfants, moi j'ai Jésus-Christ en moi, vous pouvez me jeter même dans le désert, je vais pousser. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez me jeter là où vous voulez. Je vais pousser. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Et la Bible nous dit là où notre pasteur vient de lire. Que le roi Akab avait fait des choses abominables. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la femme Jézabel. Amen. Amen. En réalité, lorsqu'on voyait que Akab est en train de diriger le pays, pendant le jour, on voit que Akab est en train de diriger le pays. Mais en réalité, c'était Jézabel. Et pendant toute la semaine, on nous a prêché les signes du temps de la fin. Nous devons savoir les signes du temps de la fin. Lorsque vous allez connaître le signe du temps de la fin, le réveil va rentrer dans votre pensée. Amen. Parce que la Bible est là, réveillez-vous, vous qui dormez entre le mort. D'autres personnes sont déjà mortes. Et Dieu t'interpelle de te réveiller. Afin que tu puisses te réveiller. Amen. Amen. La Bible nous dit une chose. Et Akab a fait des choses abominables. Pourquoi? Parce qu'il avait prié pour femme Jézabel. Amen. Amen. C'est un esprit qui est en train de diriger même les églises. C'est un esprit qui est en train de diriger, bien aimé, dans cette même une nation. C'est un esprit que le diable est en train de diriger pour détruire l'église. Marceline, nous l'avons Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Tangelabiso, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, verset 7. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Et le pasteur va prendre Romain. Tu es déjà Cantique des Cantiques? Oui, lis Cantique des Cantiques bien. Le pasteur Romain. Toi, tu vas prendre Romain. Et Romain, chapitre 8, verset 19. Verset 7, oui. Je vous ai congé. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Voilà les hommes, vous allez corrompre. Habitez dans un cobon de la vie, non. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Bah, la passe à Jérusalem. Par les gazelles et les biches. Oui. Ne réveille pas. L'amour avant que l'éveil. Amen. Bon, l'amour, ça t'aime. Vous allez bon, l'ingo, yambo, yatango. Acclamons pour la parole de Dieu. Béthel, le bassin, le bon, merci. La Bible déclare ceci. Ma commande, vous voyez, polygami. Ne réveillez pas l'amour avant le temps. Bon, yamba, d'accord, l'amour, ça t'aime. Bon, l'ingo, yambo, yatango. Acclam à réveiller l'amour avant le temps. Bon, été acclam à l'amour, ça qui bon, l'ingo, yambo, été tango, coca. Que le diable a pris le possession du pays. Bon, yatango. Chaque fille de son réveille l'amour avant le temps. Et pour dormir, il doit prendre le produit pharmaceutique. Il y a d'autres personnes parmi nous. Ils ont perdu l'argent du voyage.
mystère. Pourquoi à cause de cette fille. Pourquoi je suis en train de faire des travaux que je ne peux pas faire. Je dis, ce n'est pas toi. Parce que tu as fait nous venir l'amour. Spécialité, c'est pour le mari ou les femmes de Dieu. Nous sommes en train de passer sur le temps de la fin. Leurs spécialités. Ce sont des hommes qui sont spécialistes pour le mari de nous ou les femmes de Dieu. J'avais laissé un cas. Maintenant, il y a quelqu'un qui est quitté dans sa ville. Parfois, une personne est déjà partie. Vous êtes plus avec lui. Il s'est déjà marié. Il a commencé à faire des enfants dans son côté. Pourquoi il revient toujours dans tes pensées? C'était pas lui, c'était un esprit qui a pris la forme de la personne. C'était la même chose avec Adam. Adam ne comprenait pas. Il a sacrifié même Naboth. Pourquoi? Parce qu'il avait rêvé l'amour avant lui. Il y a d'autres personnes aujourd'hui. Lorsqu'ils entrent dans l'internet, la première chose, il va regarder le fond de film pornographique. Je n'arrive pas à le faire. Le bien que je voulais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai naï, c'est ça que je fais. Il y a un bon qui tout à l'heure. Tu pouvais me défier de ce côté. Dieu voulait t'amener à moi.
moment quelque part là où tu n'as jamais été allé. Zambe ali comme mémoire ici quand mon corps ne comprend pas. Je ne peux pas accepter. La vie de mon image. Dans mon ministère, je puisse être toujours coincé. Ou à mettre la carte à l'automne, la salaga, mon tassima, mon tassouka. Amen. Amen. Lise la parole de Dieu dans le livre de Romains. Tant que mon canal à Romain, pour clôturer. Et on suit ça. Romains chapitre 8, verset 6. Oui. Aussi la création en tant que. Yanda cacheté que Bobo chéqué. Yanda cacheté que Bobo chéqué. Yanda cacheté. La Bible déclare la création attend avec un ardent désir. Ma commune était ma quête, la vie de construire un ancien connu au sang. Dieu. Continue. La révélation des fils de Dieu. Yanda cacheté. La Bible déclare la création attend. Ta famille, mon pays attend. Tes amis, vous avez étudié ensemble, attend. Chapitre 15, verset 5.
Kosanga Mazambe, sans moi Dieu. Kosanga Ngako, sans moi l'Éternel. Kosanga Ngako, vous ne pouvez rien faire. Bokosa le loko bokote. Nous allons lire un passage biblique pour vous retirer. Voilà totalement c'est la mort pour tous les Israélites. Dans le livre d'Exode chapitre 3. Mokanda ko bimi na moka pour nous voir Sato. Excuse-moi, je vais voir le texte. Exode chapitre 3. Ouais, verset. On va commencer à partir de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Nous lisons en nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, Kolobi, j'ai vu la souffrance de mon peuple. En Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui offrent pour cesser de se souvenir. Car je connais ces lumières. Je suis descendu pour le délivrer. La Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui, pas demain. Ma compagne de ceux qui m'ont coquillé l'obité. N'en disiez pas votre cœur. Pour qu'elle puisse habiter mon habileté. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier Dieu. Dans ce cas, nous sommes dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ton problème. On est avec la vie de Kabulayote. Mais Dieu connaît ton problème. Car c'est ça, mais d'ailleurs, il dit Kabulayote. Parfois, tu es dans la souffrance. Ça, nous sommes dans la capacité. Tu n'arrives pas à supporter la souffrance de ce pays du mal. Aux autres, on a des bonnes amies, aux autres, on a des pas si vous êtes dans la capacité. Personne sont dans la joie. Parfois, tu avais levé l'amour avant le temps. Aujourd'hui, tu es toujours malade. Parfois, tu avais levé l'amour avant le temps. Aujourd'hui, tu es dans les difficultés. Tu as perdu l'argent qu'on t'avait confié. Tu vas tenir debout pour venir devant nous allons prier. Parfois tu es dans la souffrance, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. D'où vient la souffrance dans ta vie? Tu n'arrives pas à comprendre. D'où vient la souffrance dans ta vie? Approchez devant nous allons prier. Je t'attends bien dans le Seigneur, nous voulons prier. Parfois tu avais réveillé le temps avec avant le temps. Le message que Dieu t'avait confié. Et aujourd'hui tu es en train de pleurer. Dieu te dit qui la faute. Merci mon frère. Père de gloire, papa.
papa, tu es Dieu. Merci, merci. Merci, ma sœur. Merci, mon frère. Approchez des fois, bien-aimés, les gens nous ont crié, tu es. Si tu sais bien-aimé. Que bien-aimé dans le Seigneur, tu avais rêvé l'amour avant le temps. Tu as consulté le marabout. Tu étais dans la souffrance. Tu as consulté le charlatan. N'hésitez pas à approcher des fois bien-aimés dans le Seigneur. Père de gloire, papa, il y a que le terrain qui peut te délivrer. Parfois, tu as mis une stratégie. Tu quittes ce pays. Bien-aimés, sans Dieu, tu ne pourras jamais. Sans Dieu, tu ne pourras jamais. Sans l'éternel, tu ne pourras jamais. Les gens de Dieu pour prier pour eux. Les gens de Dieu nous ont approché les gens pour prier.